À la fois gardienne et illustration de la tradition des arts du spectacle populaire de la région, les célébrations de chants et danses baltes atteignent leur apogée avec les grands festivals organisés tous les 5 ans en Estonie et Lettonie, tous les 4 ans en Lituanie. Ces manifestations de grande ampleur durent plusieurs jours. Elles rassemblent généralement pas moins de 40 000 chanteurs et danseurs. La plupart appartiennent à des chœurs et groupes de danse amateurs. Leur répertoire reflète l'extraordinaire diversité des traditions musicales de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie, des chants populaires les plus anciens aux compositions contemporaines. Les célébrations de chants et danses baltes ont été organisées pour la première fois en Estonie en 1869 et en Lettonie en 1873, avec la participation des chœurs les plus actifs de diverses régions des trois pays. La Lituanie a accueilli sa première célébration en 1924. Après l'affranchissement de la tutelle de la Russie et l'accession à l'indépendance des trois États au début des années 1920, les célébrations ont suscité un engouement général comme moyen d'affirmation de leur identité culturelle. Dans les trois pays, des salles et lieux de spectacle ont été construits pour accueillir ces manifestations. Même après l'annexion des États baltes par l'Union soviétique en 1945, les célébrations ont pu continuer, toutefois contraintes de s'adapter à l'idéologie communiste dominante. Sous la direction de chefs de chœur, de chefs d'orchestre et de professeurs de danse professionnels, beaucoup de chanteurs et danseurs pratiquent leur art tout au long de l'année dans les centres de loisirs ou des associations culturelles locales. Ces grands rassemblements sont également l'occasion d'apprécier toute la richesse du folklore balte, par exemple les objets d'artisanat et les costumes nationaux bigarrés arborés par la plupart des participants. Chœurs et ensembles musicaux ont été institutionnalisés pour la première fois en Estonie au XVIIIe siècle. Le chant choral s'est ensuite répandu en milieu rural et urbain à la faveur de la popularité croissante de cette forme musicale, des sociétés chorales et de festivals de chant en Europe de l'Est.